vous prévient, je passe par la cité verte. Comment? Vous êtes obligé de passer par la cité verte pour aller à l'avenue Kennedy. Je dois prendre l'enfant de ma patronne à sa sortie de classe dans 15 minutes. Mais vous pouvez prendre par l'hôtel des députés et nous laisser à l'éducation pour qu'on se débrouille, non? Impossible, madame. Vous voyez cet embouteillage? Je dois suivre la file. C'est quoi même cette circulation? Il arrive de nouveaux véhicules tous les jours et les routes ne s'ajoutent pas. Tu l'as dit mal. En plus, il n'y a pas moyen de se garer quelque part. Pas de parking. C'est n'importe quoi tout ça. Et naturellement, vous croyez pouvoir tout changer en un clin d'œil? Oui. Je changerai tout si je suis le numéro 1. Ce n'est pas à lui de descendre dans la rue régler la circulation, mon cher. La critique est aisée et là, difficile. Ceux qui pensent ça ont un courant de pensée différent du mien. Ta gueule, man. Paris ne s'est pas fait en un jour, d'accord? Parle-moi au moins d'une ville que tu connais, gars. Pas de Paris. Parce que Paris, c'est le toit du monde. Tu n'y as jamais été. Un point, un trait. Et toi, tu y es allé? J'irai à la première occasion pour mes études de poursuite. Et je t'allerai là-bas. Oh! Et c'est comme ça que tu comptes changer ton pays? Cause toujours mauvais patriote. C'est bon. Vous irez à Paris, là où vous monterez seul dans les taxis. Et en plus, les Mercedes classés. Mais pour l'instant, vous êtes coincé dans un embouteillage ici, en Angola, avec moi et sous le soleil. Sortez déjà de là avant de vous chamailler. C'est à lui de nous sortir de là. Mes amis, s'il y avait moyen de quitter cet embouteillage, je n'hésiterais pas. Un peu de patience. Mais on va où là? C'est un petit raccourci personnel que je prends quand je suis en retard. Ici, aucune chance de croiser un policier. Mais pourquoi auriez-vous peur de la police? Mon assurance a expiré ce matin. Je n'ai pas eu le temps de la renouveler. Il fallait bien que je travaille. Bref, vous nous transportez sans assurance. Calmos, frère. Ce n'est pas l'assurance qui conduit, c'est mon cerveau. J'ai dit, pas de panique, il n'y a jamais de policier par ici. Ah oui, frère, tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr, je connais cet endroit comme ma poche. Ton rétroviseur me dit tout le contraire. Quoi? Alors, je croyais qu'il n'y avait jamais de policier par ici. Madame, même Jésus s'est trompé un jour et ça lui a valu sa croix. Rangez-vous et apprêtez le dossier de votre véhicule, s'il vous plaît. Mais ces 5000 francs que vous mettez dans vos papiers, c'est pourquoi? C'est pour le policier, madame. Vous savez bien que je n'ai pas d'assurance. Et l'argent, ça va changer quoi? Puisque vous n'auriez toujours pas d'assurance après. C'est comme ça que ça marche. Je lui paie sa bière et me laisse partir. Je renouvellerai l'assurance plus tard. C'est de la corruption. Appelez ça comme vous voulez, c'est comme ça que ça marche. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je peux voir le dossier de votre véhicule s'il vous plaît? Tout de suite. Présentez-le moi. Mais c'est honteux ça. Un policier conscient de sa tâche devrait combattre la corruption au lieu de la servir. Et il va manger où? Tu vois que c'est facile de rouler sous le soleil toute la journée? Mais il a un salaire pour ça. Il est payé à la fin du mois. Et mieux qu'un fonctionnaire ordinaire que je sache. Ah, laisse-nous ça, ma chère. Chez nous, on dit que le mouton boude là où il est attaché. Mais vous soutenez la corruption ou quoi? Ce n'est pas vous qui parlez de changer les choses? On ne soutient rien. Mais on ne peut rien contre un mal sans remède. Si tu as le courage, va donc parler à ces policiers, ma chère. De toute façon, il n'a pas encore pris l'argent. À mon avis, il ne devrait pas y toucher. Moi, je parie qu'il va le prendre d'un instant à l'autre. À moins que ça ne soit déjà fait. Ils se racontent qu'ils ont un jeu de doigts très rapide et qu'un billet peut quitter le dossier et rejoindre leur poche en une fraction de seconde. Monsieur, je constate que vous n'avez pas d'assurance. Chef, j'allais de ce pas la renouveler. Vous allez la renouveler comment? Je vous jure sur la tête de mon père. Est-ce que l'assurance n'est que vitale que pour votre véhicule? Chef. Elle est aussi pour les passagers ici, que vous chef. Transportez. Attendez, chef. Par ici quoi? Chef, je vous ai gardé quelque chose. Quelque chose quoi? Je t'ai demandé quelque chose. Chef. Je t'ai demandé la bière? Chef. Je vous arrête et je conduis votre véhicule. Wow. Pardon, chef. Il fait très chaud là. Chef. Amène-le. Chef. Alors? Chef. Ça, c'est quel comportement, chef, ça? Chef, chef. La femme. Chef, chef. Non chef, seulement vous n'avez pas d'assurance, chef, je veux ajouter à votre contravention la tentative de corruption à mais fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrête? Quoi? Malgré les 1000 francs, il doit avoir des vilains locations, ce policier. What? C'est tout simplement un bon policier.
Ah, si tous ses collègues pouvaient agir comme lui. Alors, monsieur et dame, cherchez-vous un autre véhicule. Oui, chef.